Nous sommes spécialistes du vêtement pour enfants et avec deux particularités, deux métiers, deux savoir-faire. Celui de concevoir des collections, concevoir des produits, et le deuxième métier, celui de les distribuer sur le marché français. L'entreprise, c'est une société familiale depuis 1946. Elle œuvre dans ce secteur d'activité. Nous sommes 110 employés, nous faisons à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes vraiment dans le cadre d'une petite entreprise familiale. Elles sont nombreuses et de trois ordres. D'abord, au niveau financier, il est clair qu'une petite entreprise comme Marez, conserver son agilité et son innovation, c'est prendre des risques. Le deuxième volet, c'est l'aspect produit. On est dans des secteurs d'activité qui sont extrêmement proches, dans le haut de gamme. Donc ça nous rapproche forcément au niveau du produit, au niveau de l'industriel. Et je pense qu'effectivement, au niveau commercial, c'est une formidable ouverture sur un marché que nous ne connaissons pas, qui est celui de l'Asie. 假如通过合作之后，我们基本上有三大的机会。第一个就是我们从生产转型，从OEM转向了ODM，把马海斯的设计移植到我们跟万斯利进行结合之后，从进行ODM的设计，也进行了一个长期稳定的生产供应关系，对马海斯，对万斯利。第二个就是中国市场非常的庞大。 通过马海斯的品牌的运作能力，到中国之后开拓中国的童装市场，这个的马海斯的品牌管理的运作的经验，给万斯利的品牌，万斯利丝绸品牌的提升，可能也有关系。第三个方面就是 ，les adjectifs peuvent être utilisés sont nombreux, accélérateur, régulateur, facilitateur. Je pense que le vrai mot c'est effectivement facilitateur. 同时 也对通过百优的这个参与，让中国的文化跟法国文化进行了交融。百优在这个我们的合作之间是媒人，也是桥梁。 Et ce qui est intéressant aussi avec Bayo, c'est que ce regard extérieur de deux entreprises, sur les deux entreprises, permet effectivement de sortir chaque entreprise de son contexte et de trouver les stratégies en synergie qui vont pouvoir faire que ces deux entreprises convergent. Thank you.